Tu as raison, mademoiselle. Bon, alors, le Hobert pour tout à l'heure, chaque chose en son temps. Alors, les épées, ben, tu sais, comme tu peux le voir et que je l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas d'épée à deux mains. Et pourquoi il n'y a pas d'épée à deux mains? Parce que... avec des manchots. Exactement, dans l'autre main, on a le bouclier, donc on n'a qu'une seule main pour l'épée. On va inventer l'épée à deux mains quand on aura l'armure. Et là, on aura besoin de l'autre main pour se protéger, parce que là, on passe dessous d'abord, comme ça, et on redescend dans la... Voilà, c'est pas mal. Ah ouais! Et ça mange pas du polonais aujourd'hui! Déjà, c'est une femme, donc elle a plus de neurones déjà. C'est incroyable comment il s'est brossé, tu sais. Hein? Pas, même pas vrai. Ça, ça ira. Sans serrer. La même si c'est un peu plus large. Avec toutes les plaquettes, bien écarté. Je les anime. Là, vous allez faire ça en duo? Ouais, on fait ça en duo. Ça fait plaisir. Alors, oui, à l'époque, non. Bien, hein? Hein? Demandez à ma fille, allez. Voici donc un chant adressé à la vicomtesse de Châtellerault, nommé Bon Voisin. À la douceur du temps du beau, les bois frémissent et les oiseaux chantent, chacun en leur latin, selon les vers des nouveaux chants. Putain, il s'est barré. Ouais. Pas trop tôt. En fait, hop, vise, faut que tu vises par-dessus, faut que tu passes par-dessus pour y arriver. Non, mais c'est long. Ah oui, rouleau. Bravo! 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 Brav
rire et moins fier. Madame la comtesse est donc vainqueur du jeu à l'épée. Oh.